cloudy and gray, gray. As I serve my brew, I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Purge tight word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Jokes try hurt my mood, but my sky pure bright blue. No piss taken. I tell my demons they got mistaken. I lift weights, eat less bacon. I run with the sun just waking. Jumping ropes and my legs aching. Bathing when the heat get baking. Hiking when I need escaping. Stopping when the sight breathtaking. Cool. Et bonjour à tous, c'est Mathieu Sabé, j'espère que vous aimez aujourd'hui écouter mon conseil et Jean. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière puisque c'est un nouveau petit truc que je voulais mettre en place sur la chaîne, une petite série comme ça, sympa, où je vais vous présenter 5 maps créatives. J'ai quelques îles que j'ai vraiment trouvé sympa. J'ai mis un peu de tout, il y aura une petite fiche pour vous demander pour l'épisode 2 si vous voulez plutôt du Death Run, de l'Escape Game, de la map edit, du Moving Zone. Enfin je mettrai un peu toutes les maps qui existent, mais là j'ai sélectionné un peu de tout, donc on va commencer pas la première map qui est tout simplement un dropper. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc en gros vous arrivez sur une map, elle est un peu de toutes les couleurs, elle est vraiment sympa, vous allez voir. Tac, regardez, en fait vous devez passer entre les cubes sans vous prendre de dégâts de chute. Donc là hop, bon là c'est un peu galère, mais bon je pense que vous avez compris le principe. Donc c'est une map assez sympa, je sais pas combien il y a de niveaux exactement, c'est marqué en anglais. Mais je pense qu'il doit y avoir 4-5 niveaux. Mais elle a vraiment l'air sympa cette map. J'ai regardé en mode rediff, elle est vraiment sympa. De toute façon vous aurez des images du mode rediff. Donc pour la quatrième map, on est tout simplement sur une moving zone, mais vraiment la meilleure moving zone selon moi qui existe actuellement. Donc on va lancer le jeu, je vais vous la présenter rapidement. C'est clairement la meilleure avec des reliefs et tout, c'est vraiment la meilleure moving zone qui existe actuellement sur Fortnite je pense. Parce que là on va mourir je crois. Non, ok on meurt pas. Donc vous avez 500 de construits, donc hop, vous allez voir. Vous avez une zone, donc tac, vous pouvez voir la map. Tac, elle est vraiment sympa je trouve. Regardez, tac, avec tous les reliefs et tout, il y a des petits box, des constructs partout pour gêner. Il y a une... Ah, mince. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, je pense qu'il y a 16 entrées pour 16 joueurs. Donc, elle est vraiment super sympa, cette moving zone. Hop, donc je vais avancer un peu quand même. Donc, c'est sur la map île volcanique. En espérant que je vais avoir assez de construits. Donc, il y a vraiment des petites arbres, du relief et tout. Je sais pas s'il y a one shot, je pense que oui, donc je vais faire gaffe. Mais donc il y a du relief, c'est bien encadré, mais selon moi c'est vraiment la meilleure map moving zone qui existe pour l'instant. Vous allez voir, elle se finit là-bas, mais elle est vraiment géniale cette map. Donc si vous voulez tryhard avec des potes, franchement cette map elle est vraiment oufissime. On va passer à une map IM Edit Échauffement. Donc c'est pas toujours pas une map Death Run ou quoi. Mais vous allez voir, ça va arriver. Elle est par Freezer celle-là. Ne me jugez pas sur mon level en Edit. De toute façon il y aura un accéléré. Donc c'est la première fois que je la fais de la journée. Donc jugez pas s'il vous plaît. Donc tac, on va voir le temps que je vais faire. Je pense pas un truc de ouf, mais bon c'est pas très grave.
Donc j'ai fait un petit 6-31. C'est pas un truc de ouf. C'est la première fois que j'ai fait de la journée, bon voilà. Du coup les potes, cette map elle a vraiment beaucoup d'atouts. Franchement c'est une des meilleures maps pour s'entraîner. Mais ce qui est bien en fait c'est qu'elle est edit et IM en même temps. Donc c'est à dire qu'on n'a pas besoin de relancer après encore une map, etc, etc. De lancer plusieurs maps pour s'entraîner, celle-là, et combiner les deux, vous faites celle-là deux fois, et puis vous êtes méga échauffé, je pense. Donc elle est vraiment géniale, cette map. De toute façon, c'est pour ça qu'elle est dans ce top. On va se retrouver pour le top 2 directement. Map de fight. Donc voilà, on va passer sur une map à moi. Voilà, je vais pas trop me jeter de flanc non plus. Mais bon, je la trouve vraiment sympa. Donc là, il y a le petit lobby. De toute façon, vous aurez des images, hein, comme je vous l'ai dit. Regardez, attendez. Bon, attendez, je vais lancer le jeu rapidement. Donc en fait, c'est une, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une map de fight. Des maisons sur pilotis, un peu en mode... enfin voilà, vous allez voir, je vais monter sur le toit, vous allez voir rapidement. Regarde, on peut pas ouvrir la map, dommage. Donc voilà, on a les canaux pour se déplacer, si vous tombez dans l'eau, vous mourrez. Il y a des coffres, c'est des coffres aléatoires, il y a plusieurs armes. Moi, je la trouve vraiment sympa. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je la trouve vraiment sympa. Les petits radeaux, les petits palmiers et tout. Des petites maisons sur pilotis, on peut sauter sur les radeaux, mais faut pas tomber dans l'eau, parce que sinon, vous mourrez instant. Je la trouve vraiment sympa, cette map, j'avais vraiment passé beaucoup de temps à la créer. Bon bah voilà, le code, de toute façon tous les codes sont en description, n'hésitez pas à les checker. Donc on est tout simplement sur une espèce de death run, donc je crois que c'est celle-là, tac, on va aller là. Donc c'est un espèce de death run, vous allez voir, je vous mettrai les règles, le texte de description de la map, il y a une petite musique sympa. Donc là, un petit death run, donc avec les petits hélicoptères cassés. Vous allez voir, ça se casse au fur et à mesure, c'est vraiment super stylé. Ça se casse. Tac, là faut pas sauter trop loin, hop là. Là, on va là, 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 tout droit. Hop, checkpoint. Donc voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu. Des meilleures maps en créatif selon moi. N'oubliez pas le petit sondage en haut à droite pour savoir l'épisode 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente comme map? J'ai passé pas mal de temps à rechercher ces maps. Je me suis servi d'un site internet qui référence des maps qui s'appelle goodnight.fr, créé par Valouz. Je sais pas si vous le connaissez, je vous mettrai le lien en description si vous voulez checker. Il y a pas mal de maps sympas, même s'il y en a certaines qui sont pas ouf ouf. Mais bon, là j'ai cherché pas mal sur ce site. Après il y en a certaines que j'ai pas eu sur ce site, mais bon voilà. La majorité c'est sur ce site que je les ai eu. Donc je vous mettrai le petit lien sympa. Donc les potes, sur ce n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et à mettre le code créateur MATIS27B-YT dans la boutique.
je vais bientôt vous sortir de nouvelles maps là. J'ai commencé à bosser vraiment vraiment au créatif. Donc je vais vous sortir une petite map là, sympa. Et en plein d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre mon code créateur Mathieu27B-YT pour me soutenir. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc sur ce les potes, c'est Mathieu27B. Salut!